Le 9e sommet des Amériques devrait s'ouvrir le 6 juin à Los Angeles, aux États-Unis, pour réunir les dirigeants de l'Organisation des États américains et renforcer les liens. Mais cette année, une controverse concernant la liste des invités risque d'éclipser tout progrès potentiel dans les affaires régionales. C'est la décision de Washington d'exclure Cuba, le Venezuela et le Nicaragua qui a suscité de vives réactions. Les dirigeants de la Bolivie, du Guatemala et d'Antigua et Barbuda ont déjà annoncé leur absence. Le président du Nicaragua, Daniel Ortega, a déclaré que son gouvernement n'était pas intéressé par ce sommet. Un député du Parlement nicaraguayen a indiqué que les États-Unis n'avaient pas le droit d'exclure unilatéralement d'autres pays membres du sommet et que les États souverains pouvaient décider eux-mêmes de leur participation.